J'ai décidé de vlogger. Droite de même. Vous manquez pas grand chose parce que ben, je veux vous montrer toute ma journée, évidemment. Mais vous manquez vraiment pas grand chose parce que je viens juste de m'habiller puis de me brosser les cheveux. J'ai encore des crottes de yeux, là. Ça veut dire que je viens vraiment de me lever. Fait que ma routine du matin, ben, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, mon entraînement, c'est la première chose que je fais le matin. Fait que là, je s'habille en sport. J'ai pris de l'eau. Je suis encore fatiguée. Ça me tente pas faire le matin. Mais ça m'aurait tenté de comme faire du yoga ou de quoi. Mais c'est du bas du corps aujourd'hui. C'est que je vais le faire. Puis, ça va me donner un peu d'énergie qui me manquait tout de même parce que là, j'ai de la misère à me lever. J'avais mis mon cadran à 5h30. Il est 6h30. Fait que j'ai chillé. Puis en plus, faut que je me rende plus tôt au travail aujourd'hui à 8h30 parce qu'on a une réunion à 9h. Fait que ça va grouiller aujourd'hui. En plus, j'ai de l'école à soir. Fait que je vais vous montrer une journée typique dans ma vie parce que ça ressemble presque à ça tout le temps mes journées. Parce que je suis tout le temps... J'ai tout ça quoi... Tout le temps. À part le week-end. Le week-end, je fais attention pour pas me bouquer trop de choses ou juste des choses le fun. Ok, ça va s'entraîner. C'est magnifique. Et l'entraînement est fait! J'ai arrêté ma montre. Fait que là, il faudrait que j'aille dans la douche. Il est chaud. Puis mes cheveux s'en est déjà comme... C'est parce que je suis pas grasse dans le fond de la tête, mais ils s'en viennent tellement secs parce qu'ils sont blonds qu'à un moment donné, il faut que je les lave parce que je sens qu'ils sont... Ils ont besoin d'être lavés, là. Fait que faut que je me lave les cheveux aujourd'hui. Il doit être rendu tard. 7h15. À 8h30, il faut que je sois partie. Oh. J'aurais peut-être pas le temps de m'amener un lunch. Fuck. Faudrait que je bouge. Je suis slow aujourd'hui, là. J'ai fait mon entraînement, puis quand c'était le temps d'aller vite, j'étais très lente. En tout cas. Hein, Titi? Que ça va dans la douche. Puis j'ai pris une gomme... Pendant l'entraînement, parce que je manquais tout le temps de salive, j'avais la gorge full sec, puis j'ai eu comme une voix rauque le matin. Puis j'imagine que j'ai attrapé froid avec tout le beau temps qu'il a fait, puis tout le froid qu'il a fait aussi en même temps. Fait que c'est ça. Ça fait du bien manger ma petite gomme. Bon. La douche est prise. J'ai décidé de m'habiller pour que ce soit plus facile de pas être tout le temps en train de faire ça avec ma serviette. Première chose que je fais en sortant de la douche, j'ai mon produit Authentic Beauty Concept que j'ai pris au salon Pure Folie. Ma coiffeuse, elle est là. J'en mets un petit peu. C'est un démêlant, là, un après-shampoing. Après-shampoing, oui. Fait que je vais le laisser agir avant de me brosser les cheveux. Avec des odorants, bien important. Et aujourd'hui, c'est ça, je me suis habillée en jogging, parce que le mercredi, on fait toujours une deuxième séance d'entraînement avec mes collègues de travail, fait que je me suis mise juste en camisole avec des joggings, puis au travail, je laisse toujours un gros pull, un gros cardigan, là. Fait que je vais mettre ça au travail. Je vais aller travailler direct demain en dessous mon manteau.
Ensuite, je mets mon eau au mail. Je l'ai pris au Intuition Centre de Beauté. Mais en fait, c'est pas moi qui l'ai pris. C'est mon copain qui m'est arrivé avec un coffret cadeau plein de produits que Marjorie elle avait placé pour moi. C'est ma belle-sœur, fait qu'elle connaît, elle me connaît quand même mon type de peau et tout ça. Elle a tout préparé ça, puis elle est propriétaire de son salon. Elle a sa chaîne YouTube elle aussi, fait que je vais mettre son lien en barre d'infos. Ensuite, je mets... Mon Dieu, je t'ai soufflé. Il a fallu que je cours dans la douche. Cours! Je vais mettre mon sérum de La Roche-Posay. L'hiver, c'est vraiment un must pour moi. Avant, je ne mettais pas de sérum. Depuis, là, je suis en amour. Je trouve tellement que ça fait une différence. Hein. Je pourrais partir juste de même avec mon sérum. Mais avec ma crème, ça fait doublement du bien. Dans le cou, très important. Je l'avais dit l'autre fois, si tu m'écoutais. Si tu m'écoutais pas. Aïe, aïe, aïe. Bon. En attendant ma crème, mets du perfume, je me sentais bon. Deacon Wild, le Story, le petit rose. Toujours des beaux commentaires quand je le porte. Oupsia. Ensuite de ça, pour ma crème, ben là, je vais prendre celle de Neutrogena, le Hydro Boost, parce que celle-là, c'est vraiment quand j'ai vraiment besoin, la riche, là. J'en avais besoin au début de l'hiver. Mon Dieu, j'ai des allergies. J'en avais plus besoin au début de l'hiver. Mais quand je sens que j'en ai besoin, c'est plus le soir que je la mets avant d'aller me coucher. Là. Fait comme ça, ma peau se répare dans la nuit. Fait que je vais juste mettre mon petit gel crème. Et voilà. Voilà pour ça. Puis je peux me brosser les cheveux. Puis il va me rester un produit à mettre. Et c'est une huile de protection de Olaplex. Encore chez Pure Folie. Ma coiffeuse est vendue à Olaplex. C'est avec ça qu'elle répare nos cheveux. Fait que quand on fait une décoloration, là, on peut tout de suite faire le petit traitement là, qui vient tout faire du bien à tes cheveux là, qui ont été décolorés. Bref. Fait qu'avant d'utiliser ma petite huile, je vais laisser comme sécher mes cheveux. Naturellement. En faisant mon café et en allant me maquiller. Fait qu'après ça, il va être moins 30. Donc ça va être moins long à sécher dans le fond. Là. C'est chaud, là. Le matin, ça va bien de même. Fait que là, direction, petit café. Là, j'en ai pas pris. Je vais fermer les lumières. Quand je me suis levée, il faisait noir. Ouais. Ouais, il m'en reste pas bien. Parce que mon chum, il travaille de nuit. Puis je lui demande souvent, quand il fait des cafés, ben, d'en faire assez pour comme deux, puis que moi, je le réchauffe, tu sais. Il en a pas fait assez. Puis là, la maison, c'est un mess. Partout. La table, l'école, les formations, tout ça. Mais j'ai même pas ramassé mon tapis de sport en matin. Puis la vaisselle d'hier, puis la veille. Ouais, va falloir faire ça. J'ai encore un petit café dans ma Nespresso. Bon, fait qu'on s'en va dans la chambre. À maquillage. Je dis à maquillage parce que ben, c'est notre salle, la salle de gaming à mon chum, parce que oui, j'ai un gamer. Donc, le matin, c'est simple. Je fais pas grand chose. Mais bon, pour pas avoir l'air juste de rien, je vais mettre un petit peu de fond de teint. Parce que moi, j'ai la coupe rose. Fait que c'est gossant, j'ai comme plein de petits roses. Là, on voit pas parce que ma caméra elle a un montage spécial. Elle a un filtre spécial d'embellissement de la peau. Fait que je sais pas si on peut. On voit pareil, là, tu sais, on voit que j'ai une tache rouge ici. Mon Dieu, l'éclairage. Fait que je fais ça vite. Parce que le matin, on s'entend-tu qu'on veut pas passer une heure à se préparer? C'est de ça, deux autres produits pour mon teint. Je mets juste de la poudre fixatrice. Vite. Et pou. C'est fait pour ça. En plus, c'est ça. Je suis pressée à ma teint, fait que j'aurais même pas dû me maquiller.
Ben, des fois, ça m'arrive de faire juste mes sourcils, mais en tout cas. Fait que un petit peu de rose sur les joues, sur le menton, sur le nez, pis ici, pour avoir l'air d'un bon âge. Beauty Guru. Ensuite, trois autres produits. Crayon à sourcils, gel à sourcils, mascara, et c'est fait. Bon ben, je suis rendue au moment de me faire mon lunch pour la journée. Je sais que j'aurais dû tout faire ça hier, surtout quand on a une journée pressée. Surtout que là, j'ai décidé de filmer. Quelle bonne idée, Valérie! Ouais! Fait que là, premièrement, je vais préparer... Maman, je mets les fleurs. Premièrement, je vais préparer mon shake pour le déjeuner. Là, il est rendu 7h54! J'ai pas de boîte à lunch. M'en faudrait une, hein? Je vais vous montrer à quel point qu'on l'a échappé cette semaine. Ouais. Hey, j'ai pas fait mon X sur mon tableau. Ça, c'est motivant, maudit. J'aime bien ça. Un beau tableau de 100 jours. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 5, phase 5. Oh là là. Les boîtes de cookies. On a autant de récup parce que on a oublié, on a oublié deux fois de mettre la récup, là. On n'est pas habitué parce qu'avant ça, j'étais dans un bloc. Fait que c'était une personne attitrée à ça qui venait le faire. Mais là, ça... On est comme poche un peu, là. On l'a oublié, c'est ça, une fois, là, un mois. Puis, c'est aux deux semaines, évidemment, vous savez. La fois qu'il s'était rendu à récup, on a oublié! Fait qu'elle était déjà pleine. Là, elle est pleine, puis pleine, puis pleine. Ça passe aujourd'hui. On l'a mis hier. Faut pas l'oublier. C'est le mercredi. Fait... En tout cas, ça n'a pas de bon sens. C'est comme... on est encombré de récupération. C'est là qu'on voit qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. C'est comme poche, mais bon. C'est la vie, hein? Ouais, fait qu'on a comme accumulé sur le bord de la porte. Puis, il y a une autre boîte dehors remplie. En un mois. Fait que la poubelle va être... la récup va être vidée, puis on va déjà l'avoir remplie. En tout cas, en espérant qu'on l'oublie pas dans deux semaines, hein? Sinon, on est mal pris, puis il va falloir emmagasiner ça dans le garage. On va le faire brûler. Et là, là. Fait que j'ai mis mon petit tuile Olaplex avant de sécher mes cheveux pour protéger de la chaleur, puis en même temps ça vient tout hydrater, c'est belle fun. Et c'est ça, mes cheveux sont comme un petit peu plus secs là, qu'ils l'étaient tantôt. Fait que ça va être full pelon. Ouch, un autre. Ça va être vraiment pas long. Et ce que je vais faire, c'est des étages. Je sais pas, je vous l'avais déjà montré là, que je me séchais les cheveux avec ça. Mais ça n'a pas changé, j'aime ça autant. Je l'avais prêté à ma belle-sœur, Sarah. Allô, Sarah. Puis Sarah, elle avait moins aimé ça. Puis ma belle-mère, je pense qu'elle avait pas aimé non plus. Là. C'était comme trop gros. C'est comme difficile à manipuler, puis c'est vrai. Mais on aime ça. C'est pas pour tout le monde, faut croire. Le volume. Ça va descendre un peu au courant de la journée, là, mais ils sont doux quand ça sort du séchoir. Ça paraît que j'ai mis l'huile aussi, là, je les sens full hydratants. Ça fait que j'ai fini la journée, il est environ 3h. J'ai ramené mon lunch, fait que je m'enligne se faire ça. Puis là, mon copain, il est debout. Tu veux dire allô? Ouais.
Non. Fait que mon chum vous dit pas allô, c'est un mange-marde. Non. Mais ouais, c'est ça. Il a commencé à faire le ménage, fait que je suis bien contente. Donc là, je vais m'aligner à faire ça avec lui. J'ai quand même l'école à soir, fait que je me set up, mais la table est à l'envers de truc d'école, comme je vous avais montré un matin, et que je veux me resetuper. Puis j'ai rouvert les fenêtres, il fait 8 degrés, je suis bien. Titi, t'es-tu bien auprès de la fenêtre? Ouais, fait qu'on va faire un petit ménage. Puis j'ai eu un texto de mon amie qui est toute seule, fait que elle va venir ici passer du temps. Qu'on va se faire un petit souper. Puis c'est ça, il fait tellement beau que je veux qu'on clenche le ménage puis qu'on est dehors. J'aimerais ça faire... tu sais, même pas besoin de faire un feu, là, mais j'aimerais ça. J'aime ça faire des feux dehors. Fait qu'on s'aligne là-dessus, puis j'ai hâte de voir quand on va souper, on le sait pas encore. Je suis en train de faire mon école, puis justement, ce soir, on parle de mariage, puis c'est ma profession, mais c'est là que je veux aller vraiment pousser. Dans l'hôtel, là, où tu te mènes. Fait que c'est vraiment le fun, ça vient vraiment me toucher. Ça va m'aider beaucoup pour faire le lien là, avec le client. Je suis vraiment contente, je prends plein de notes, c'est très intéressant. La fille qui nous parle ce soir, c'est Emmanuelle Poirier. Écoute, c'est fou, là. Elle a fait le mariage de Julie Snyder, là. C'est vraiment intéressant. Je suis très bien raide, j'ai le goût de me rendre au même stade qu'elle, mais moi quand j'écoute quelque chose, je veux le faire tout le temps après à 100%. Là. Mais bon. Fait que je voulais vous faire une mention parce que là, il est déjà rendu 8h, on a soupé comme vous avez pu voir. Mais je pense que je vais faire ma conclusion tout de suite, dans le fond, parce que à 10h, ça me tendra plus dans 2h. Je vais vouloir aller tout de suite me coucher, puis je suis déjà dans ma chambre, comme vous avez vu. Fait que je vais closer ça tout de suite. Donc, merci de m'avoir suivi dans ma journée. Petite journée dans ma vie, bien normale. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé, commenter, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!